Économiste Kester Farrell dans une intervention sous panel Magic 9 sous dossier agriculture à Canal a déclaré mesdames et messieurs ça pas suffit pour capable relancer production nationale là gain en pile leur travail qui pour entreprendre plusieurs semaines après lancement travail sur rivière Massacla date pour inauguration Canal la gain indiqué ak en pile possibilité pour Canal ça capable porter nous ancien président République d'Haïti assassiné Jovenel Moïse qui t'a initié travail durable dans l'année 2018 sous rivière Silla. Chargé d'affaires États-Unis en Haïti, Eric Stroumayer, parle sous nouvelle qui a circulé sur les réseaux sociaux comme quoi ambassade américaine a l'ouvrir dans l'année 2026 pour demande visa ensemble. Nous prenons des déclarations. Dirigeant force alternative à Chéloise, Wilner longe droite bien longue sous syndicat chauffeur dans Akaye qui monte pris cours sur bien haut à cause doit payable yo gagné sur route Canaan. Responsable politique à tout longe droite sous l'état Haïti qui fine gangsterisé pays. Aélien, association éducateur et éducatrice Liankou affilié ensemble avec CNEH, bayon près de presse pendant week-end, côté yon mandé pour autorité nan ministère éducation nationale yon penché sous ka l'école privée ak public qui pa ko capable l'ouvri pot yon nan commune Liankou pour année scolaire 2023 ak 2024 la. Premier ministre Ariel Henry, mesdames et messieurs, déclaré que très bientôt, il a gagné pour capable organiser élection en d'un pays et a travaillé puis capable finaliser yon accord. La police nationale d'Haïti, par bon côté, parle, fait paquet gros travail dans week-end, n'a gagné pour nous connaître exactement qui travaille, que oye. Eh bien, actualité a mené nous dans l'international là, spécifiquement dans Libye, mesdames et messieurs, côté plus passé 15 jours depuis yon inondation arrivée fait divers dégâts dans Libye, côté plusieurs dizaines de Libyens arrivés perdit la vie et gilote qui victime. Nous va suivre un reportage tel que ça ensemble avec Euronews. Chaque jour plus passé, mesdames et messieurs, 3000 migrants traversent frontière Mexique pour rentrer États-Unis, on dit traverser mer Méditerranée pour capable rentrer États-Unis qui ça qui la cause un pile monde arrivé mourir. Vénézuélien, Mexicain, Costa Ricain et Haïtien, c'est eux-mêmes qui plus prend route si là. Nous pourrons suivre un reportage qui ça veut dire exactement rêve américain pour quelques autres monde. Administration qui a dirigé par Biden et Kamala Harris aux États-Unis promettent une aide pour déploiement mission support sécurité en de pays d'Haïti selon secrétaire d'État États-Unis Anthony Blinken qui annonçait nouvelle si là côté les États-Unis paraît plus capable soutenir eh bien intervention militaire si là nous voyons connait qui quantité cob yo paraît plus capable décaisser notre temps qui a vini. Et mesdames et messieurs, UEFA Ligue la même li a continué côté gen divers matchs qui jouaient pendant week-end là. Nous pral connaître exactement qui sa résultat yoye. C'est toute information ça avec divers notes qui pral faire essentiel actualité nous jodi à la. Mesdames et messieurs, bienvenue sous Haïti Info dans journal Sankapé. Moi-même famille Jean-Charles a présenté nous c'est un plaisir pour nous capable porter rubrique ça la caillou bien avant nous aller plus loin. N'a prend temps pour nous dire merci ensemble avec vous-même qui like, commenter, partager. Merci ensemble avec vous-même qui toujours invité un monde qui dans entourage ou abonné ensemble avec plateforme si là puis capable toujours être connecté à bon information. Jodi a c'est lundi 25 septembre 2023. Sans nous pas tarder, n'a lancé ensemble avec information yo. La police nationale d'Haïti confirmé arrestation dans date 22 septembre 2023 dans aéroport Toussaint l'ouverture de une concubine chef gang le mois sans jour qui a pas dirigé 400 marozo. Mesdames et messieurs, selon information la police nationale d'Haïti, jeune dame ça qui t'a porté nos pierres
Hermelus Darlene, mesdames et messieurs, tapral parti dans programme humanitarian parole dans cadre programme si là aux États-Unis. La police arrivée déposer la patte sous lit. Information yo a continué, mesdames et messieurs, côté premier ministre Ariel Henry lui-même pas bon côté pâle, arrivé annoncer que gouvernement lien pral organiser élection comme ça doit en d'un pays d'Haïti, malgré situation insécuritaire qui pas suspendre faire rage tout partout en dans pays ya. Puis devant nous gagner économiste Kessler Farrell, mesdames et messieurs, qui t'a parlé de écosystème agriculture en dans pays d'Haïti sous panel Magic 9 qui t'a bail divers détails sur ça qui gagne ah ouais ensemble avec construction canal qui a fait sous rivière Massacre, ça qui pral retirer espérance yo pa kèt moun. Nous pral tande déclaration Kessler Farrell nan micro Robertson Alphonse Magic 9, mesdames et messieurs, nan yon titan ki pa trop long dossier à son dossier qui assez compliqué. Donc tout aspect macroéconomique question environnement des affaires là faut là tout et m'pral entrer tout dans évaluation secteur privé a, parce que si comme grand paysan m'tabal tem bal d'eau et m'formel. Mais je dis à bon l'autre science sur les management, on est capable qu'on y a là, mettez un système d'entreprise pour mal bataille à sa qu'en face là. Système d'entreprise, ça veut dire qui ça? Faut que non seulement m'gain logistique d'entrante là, produit, ma pas j'étais capable de faire semence yo, qu'on y a fom produit, l'em fin produit, fom distribuer, l'em fin distribuer, alors, avant de faire distribution, fom faire marketing et vente, et qu'on y a l'em fin faire vente là, pour m'assurer de service après vente là. Ça c'est ça m'ta capable briller base pour capable arriver faire une production de qualité. Mais organisation d'entreprise, ça m'ta les fermes, les entreprises pas simplement là des paysans pour contribuer au droit pour là vendre n'importe qui dans le marché là non, sans ou pas faire ça m'ta capable briller packaging non. Gon l'autre partie qui des activités de soutien. Comment qu'on peut permettre que paysans pour acheter matériel, acquisition matériel et équipement avec intrant lieu. Comment qu'on fait ça au développement technologique là? Parce qu'on pas qu'à faire agriculture aujourd'hui à sous pas mettre les technologies de l'information et de la communication, l'économie numérique. Faut me gagner drone qui a veillé ça qu'a passé sous terrain parce que c'est pas un monde qui peut faire travail ça. Donc l'économie a changé sur le plan numérique. Pour parler économie produire, si vous voyez Vanny, qui sa barrière tarifaire et non tarifaire, et commerce avec la République Dominicaine, les perspectives de débouché commercial avec d'autres pays, soit chercher marché niche, qui sa yoye et tout bagaille sa yoye qui s'est là encore sur l'autre. Composante dans la réflexion qui doit être faite et action pour prendre une politique qui pourra remplacer. Moi, je vous en donne 2 minutes sur participation. Rapidement, on essaie de penser que, bon, ok, d'accord, quand on a fait là, on m'exagère, bon, 3000 hectares, il n'y a pas allé à bol, il n'y a pas irrigué. Alors, ça pourrait le permettre que nous produisions pour tout pays, il n'y a pas allé à. Il pourrait le permettre qu'on réduise l'importation, il pourrait le permettre que vraiment l'agriculture la relance, il pourrait le permettre que nous avons travaillé sur ça. Non, on ne peut pas faire ça. Il dit que, bah, là, trop simple. Il dit que, c'est une pièce qui est importante. Du fondamental, mais il faut mettre toute notre pièce ensemble. Écosystème, dans la présumé, la compétitivité, tout ça, qu'à baou là. Et il faut faire dans plusieurs espaces dans le pays pour venir vraiment compétitif pour que ou ka produit qu'il pas nécessaire pour acheter de l'eau. D'ailleurs, ça qui passe là, l'a fait prix, produit importé jusqu'à présent, à partir de l'Ukraine, qui élevé, il rend le marché là beaucoup plus intéressant. Donc, en ce sens-là, parler de tarifs douaniers, oui, ou capable de garder tarifs douaniers tout. Mais, nous avons dit que nous avons dit à mes hauteurs, si nous n'avons pas répondu à tout ça que nous avons là, finalement, qui est-ce qui prend la victime? Le pays n'est pas même capable de bénéficier parce que l'homme est arrivé à la prise pour Dieu, il a monté sur le produit. Parce que le pouvoir d'achat a été faible. Donc, c'est tout élément, ça peut me garder et les producteurs et les consommateurs, parce que l'homme a protégé comme producteur avec la tarif douanière. Si le consommateur n'a pas de pouvoir d'achat, finalement, prix pour augmenter en de l'économie, et c'est des bagages qui étudient scientifiquement qui arrivent dans ça. Je ne vais pas dire pour ça, mais... Non, mais... Sous-titrage, 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 mais... Sous-tit
C'est plus soigné qu'un voisin et d'autres pays nous ont fait compétition avec eux. Ils ont organisé, ils ont des politiques publiques, ils ont des politiques agricoles, politiques commerciales, des subventions pour les agriculteurs, des assurances pour eux. Et là, ils prennent des situations difficiles. Le gouvernement mettait des programmes en place, notamment dans sa caprivée là, pour conseiller le produit, pas qu'à venir dans la République dominicaine, le gouvernement a une école pour l'acheter, pour le distribuer dans la cantine. Donc, bon paquet, paquet mis en place, c'est pour faire. Naturellement, bon, bah, qui crée pour nous là, je dis à là, nous avons fait le state. Et clairement, bon, les gars, là, nous qui lit assez beaucoup, qui lit Robinson et Y et Nation Field, nous avons l'État crasé, non, mais nous, faut nous faire l'État et pas gagner en sortir de là, qu'est-ce que c'est? Le devoir à faire, c'est que Jared Diamond, monsieur écrit même yep. Sur Zone Sato, font une recherche sur lui. Donc, bah, il écrit, c'est pour nous faire recherche, c'est pour nous réfléchir. Pour que la population ne nous pas quitter le pour-côté pour prendre des décisions pour-côté et qu'elle prenne des décisions qui sont réellement capables fatales, qui sont capables de des problèmes sérieux qu'on n'a pas besoin. Et la sécurité. Mesdames et messieurs, question Farel, sous dossier relancement en production agricole en pays d'Haïti, qui j'en nous capable, eh bien, exploiter marché noir qui est vraiment important dans le moment que nous avons parlé là. Plusieurs citoyens, mesdames et messieurs, dominicains, en fait, plusieurs citoyens haïtiens, eh bien, déportés ou du moins débarqués en pays d'Haïti de façon volontaire. Pendant le week-end qui s'est passé à la côté, plusieurs dizaines d'Haïtiens sortis en République dominicaine. Nous prenons des déclarations, yo. Côté bagay yo vraiment compliqué en République dominicaine. Gagné qui débarqué seulement ensemble avec quelques petits paquets. Gagné qui paquet prend en rien du tout. Nous prenons des déclarations, yo. Et par la suite, nous prenons tout profiter des déclarations. Nèg arabe là qui te débarqué. Mais Wanamet, encore une fois, je n'ai pas gardé la madame dans lui-même, il vini ensemble avec celle petite, on t'y valise dans dol, moun sa ou qui sorti avant là, yo presque pas gagné dans mes yo, ça qui veut dire c'est moun qui te dans la rue, que immigration arrivé, mette en bas code, pren yo pour pimpe yo en Haïti, en temps de déclaration, kek la dan yo. Pour circulation haïtien ou d'ailleurs, comment ça? Est-ce que vous êtes en dehors ou bien est-ce que vous prenez la rue quand même? Bon, pour vous faire marcher? Bon, quand vous êtes là, vous êtes dans la rue. Parce que vous êtes dans la rue, vous êtes dans le caillou, vous êtes côté où vous êtes, tout à fait. Mais vous êtes dit qu'il y a un bus, il va prêter haïtien, monter bus, comment ça? Est-ce que vous recevez haïtien dans le bus ou bien vous partez de monter bus? Vous recevez haïtien dans le bus, vous êtes dans le tout, parce que ça, vous vivez actuellement là, qui n'avez pas de possibilité pour aller dans le pays. Voilà, et même Caban Mounio a traversé et ensemble avec lui. Caban, voilà. Quand votre canal là est votre canal. Ok, oui. Toujours à propos de la scène. Il veut que l'on va pour même bagage tout le monde. Vinvel Martin Moïse, yon morceau monde. Je dis à nous là, nous venons porter solidarité nous avec Negio qui travaille dans le canal là. À peuple Wanamet, je dis à me penser, c'est plus belle initiative. C'est yes. L'arrivée massacre qui fait Haïtien mettre quelqu'un ensemble. Nous là pour nous prendre deuxième révolution. Nous là pour nous prendre la deuxième liberté. Nous en bas, esclavage. En bas, la République dominicaine qui est sortie pour m'aspiner nous, pour accès nous. Je dis à, c'est un réel plaisir pour Arabe, Sipay, équipe Madame Berta, ensemble avec nous. Je dis à peuple Wanamet, aïe bébé pour nous. Je dis à m'prenne à nous. Je dis à bataille pour nous délibérer tête, nous prenons déjà. Qui parle de bagaille, qui
qui se barrage sous rivière massacre. Je dis, Jovenel Moïse mourit pour rivière massacre. Et nous connaissons plus la volonté qui sortit pour venir prendre leadership sur nos rivières massacre. Nous-mêmes, nous n'avons pas de problème à personne. Quel que soit le monde qui peut tout bagaille pour nous prendre. Même si nous connaissons, nous avons goumé, nous avons bataille pour Jovenel Moïse. Pas très réalisé, rivière massacre là. Je dis, même si c'est l'ici fait pour ton bagaille par refuser le prendre. Quel que soit c'est l'ici fait qui pour ton bagaille là, pour rivière massacre, recevoir la même. Parce que je dis, les gens comprennent que ils finissent tous les Jovenel Moïse, qu'on est à battre pour tuer les Jovenel Moïse. Peuple en a mettre la campagne, ça va passer. Parce que peuple en a mettre la dit, rivière massacre c'est révolution. Rivière massacre sont l'autre calé, j'ai lié pour eux encore. L'un fin gagné, ils ont pris sur rivière massacre, nous prenons la bataille pour deuxième prise là, la bataille pour troisième prise là, la bataille pour quatrième prise là, la bataille pour cinquième prise là, la bataille pour sixième prise là, la bataille pour septième prise là, la bataille pour huitième prise là, la bataille pour neuvième prise là, la bataille pour dixième là, la bataille pour onzième là. Si on prend 10, on prend 12. Si on prend 10, si on prend 12, on prend 12. Si on prend 10, on prend 12. Si on prend 11, on prend 11. Si on prend 12, on prend 12. Si on prend 11, on prend 11. Je dis à les jeunes, si on prend 12, on prend 12. Si on prend 11, on prend 11. Je dis à Martine Moïse, ils n'ont pas gagné fait battre. L'histoire de 7 fois, ça fait 17 fois. Bataille à pas de drapeau. Je dis à nous, petit peuple là, avec nous, première dame Martine Moïse, avec nous, parce qu'elle dit nous. Là, pour gagner rivière massacre, c'est justice président Jovenel Moïse. Parce que Abinadel qui a contribué dans la région à couvrir sa diminution de l'argent pour détruire le président Jovenel Moïse. Voilà, mesdames et messieurs, déclaration quelques citoyens haïtiens qui sortent en République dominicaine et nèg arabe là qui te vin parler dans nos anciennes premières dames République là, Martine Moïse. Plusieurs semaines après lancement travail sous rivière massacre là, date pour inauguration canal là, getan indiqué avec un pile possibilité pour le capable porter nom président assassiné à Jovenel Moïse qui te réinitié travail si là yo. Dans l'année 2018, entendez, déclaration qui genre inauguration pral fête et dans qui date li pral fête. N'a dit bonjour, bonsoir à tout haïtien, compatriote nou yo, en Awanamet, dans le nord-est, en Haïti et tout partout sur la terre. Jodi a nous yon grand plaisir pour nous présenter devant la presse que nous avons salué. Détermination. Nous saluons beaucoup une chaîne de travail, ça, la presse fait, pour rendre la bataille paysanne visible à travers le monde entier. Nous saluons tous les planteurs et femmes vaillantes dans la plaine Bamaribaou et Romaribaou. Nous venons présenter la conférence de presse là aujourd'hui, c'est pour nous présenter le comité exécutif. Là. Pour nous former le comité exécutif, là, puisque il y a des planteurs. Qui était déjà à mener bataille pour yoter jouer de l'eau, pour yoter arroser jardin, yo même yoter gagné comité pa yo. Mais là, en pile nan nous nan wana même, yo sollicité nous pour nous vin camper bon côté yo. Pour nous bataille, nous décider ensemble. Cependant, toujours gagné un comité paysan yo et planteur yo rien nan plein Maribaou qui organise. Mais planteur ça yo tout fait partie le comité ça que nous formons pour faire pour gérer les questions de construction. Donc nous avons recevoir de la part de tout haïtien, petit coulier, petit gros qui voyait ben nous, nous disons merci. Donc que nous recevons de eux. Nous connaissons, ce n'est pas ça qu'on a besoin de ben nous. Nous connaissons un pile monde qui fait des sacrifices. Ils fait sacrifice pour le pays. Ils fait sacrifice pour souveraineté pays. Ils fait sacrifice pour yo ka mettre la caillou. En pile moun nan diaspora qui besoin retourner la caillou, pas ka retourner à cause de situation pays. Est-ce que nous connaissons tout problème nous gagne dans pays tout lié avec question 2023 pour travailler la tava inauguré mais y arriver en termes de matériel. C'est pour ça que le responsable politique pour Albano, une fois pour matériel que nous avons disponible, matériel disponible et ça qui gagne qui pour utiliser. C'est même gens qui des gens qui baillent des dons pour une fois pour en espèce que réseau hier a pour une fois pour nous donc. Nous disons, nous pensons, 18 novembre 2023,
pour que le travail à Taba inauguré, si réellement que contribution continue, si réellement tout le monde qui a porté support continue, et bien encore pour qui ça nous choisit date ça. C'est parce que le 18 novembre 1803, nous avons l'indépendance. Nous pensons que le 18 novembre 2023, bataille du 21, excusez-moi, 18 novembre 1803, bataille du 21, et bien encore le 18 novembre 2023, nous avons considéré comme une victoire, une fois encore que, ou bien encore pour la révolution agricole d'Haïti. Et que c'est parce que nous pensons à DATSA, nous travaillons pour être aussi nous capables de pouvoir arriver dans DATSA. Voilà, mesdames et messieurs, 18 novembre 2023, c'est DATSA qui kembe pour capable inaugurer canal ça qui a fait sous rivière Massacre. Et monsieur, ce 18 novembre 1803, nous prenons l'indépendance. Et c'est en quelque sorte, 18 novembre 1803, que nous prenons l'indépendance, tout bon vrai, ensemble avec bataille de Vertière, sauf que proclamation indépendance est faite 1er janvier 1804. Eric Stromayer, qui s'est chargé d'affaires américaines en haïtien, mesdames et messieurs, réagit sous dossier frais visa, ensemble avec l'autre sujet actualité, nous pourrons attendre la déclaration sous panel Magic 9, ensemble avec chef, eh bien, le nouveliste Franz Duval. Eric Stromayer. Le consulat américain a retourné des passeports sans aucun visa à des personnes qui attendaient depuis des mois. Et sans donner de date de rendez-vous, la situation est-elle aussi grave et aussi imprévisible que cela? En effet, je suis très content d'être là avec vous aujourd'hui pour pouvoir discuter de ce fait. Nous avons pris la décision de renvoyer les passeports basée sur la réalité que, vu la situation sécuritaire autour de l'ambassade, on était obligé de renvoyer une certaine partie de notre personnel américain aux États-Unis. Et dans l'absence de ce personnel, on n'est pas dans la capacité de pouvoir traiter les visas de visiteurs de façon normale. Avec ce contexte, on a décidé que ça valait le coup de renvoyer les passeports à les personnes à laquelle ils appartiennent, pour que ces personnes ont la possibilité de pouvoir voyager au par ailleurs ou de profiter des autres programmes en place qui pourraient faciliter qu'ils aillent aux États-Unis, notamment le programme de parole, soi-disant programme Biden, et le Haitian Family Reunification Act. Alors, avec le passeport en main, une des choses que je veux souligner dans ce contexte public, c'est que, en effet, comme je crois tous les postulants doivent savoir, le frais de postulation se périme dans une période d'un an. Et alors, on ne veut pas que les gens perdent cet investissement. Et alors, ce que je veux souligner, c'est que si vous avez une frais de postulation, que vous avez payé, disons, presque il y a un an, disons le 30 septembre de l'année dernière, qui va périmer fin de la semaine prochaine, il faut aller sur le site web de l'ambassade et s'enregistrer pour un entretien, sans n'importe si ça sera en 2025, 2026, sans n'importe la date. Il y a beaucoup de dates qui sont disponibles dans l'avenir. Ça va faire que vous n'allez pas perdre l'investissement que vous avez fait pour la postulation. Et dans un contexte dans lequel j'espère bien prochainement, on pourrait faire revenir nos officiers qui traitent ces dossiers, on pourra rescheduler dans un plus proche avenir ces postulations sans que vous faites cet enregistrement pour une postulation dans un avenir, disons 2025 ou 2026. Vous risquez de perdre l'argent de votre frais de postulation. Si vous êtes enregistré, dès que nous puissions revenir pour traiter ces dossiers, on pourra vous appeler et reprogrammer le rendez-vous à une période plus proche. Si on prend rendez-vous de... Voilà, mesdames et messieurs. Donc, 2025 et 2026, c'est le ça, ou ap capable prendre rendez-vous dans l'ambassade américaine. Non, si toutefois, ou t'es postulé, mais ou capable toujours, eh bien, monter sous site ambassade américaine, non, si ou pralgué un an de pour te postuler, pour capable toujours kembe, eh bien, postulation ça, correct. Mesdames et messieurs, gagné OPC, Office Protection Citoyen, eh bien, qui te fait une conférence de presse sous ça qui gagne, ah ouais, ensemble avec viol, que diverses femmes ap sibi nan grand danse, OPC, mesdames et messieurs, à travers conférence pour la presse, qui expliquait qui sa rapport, eh bien, initial, enquête sous violence femme, à Timoun, eh bien, a pas subi, bail comme résultat, eh bien,
Il était réalisé dans le département Grandos. Nous prenons des déclarations différents membres OPC pardon, qui prennent nous plus de détails. Nous avons conscience que les violences faites aux femmes et aux filles sont un frein au développement personnel de cette catégorie de la population et par conséquence un blocage au développement économique et social durable de la société. Nous comprenons que l'éradication de la violence basée sur le genre nécessite une approche holistique globale qui englobe la sensibilisation, l'environnement législatif et politique, le renforcement des capacités des institutions nationales et locales, la promotion de normes et valeurs sociales protectrices des femmes et des filles, le service de soutien et la structuration du mouvement féminin en vue d'accroître sa capacité à influencer les politiques et le changement social. Mesdames et messieurs, l'objectif de cette enquête est de comprendre les déterminants des violences faites aux femmes et aux filles afin d'expliquer les causes et les facteurs responsables de cette violence, d'identifier les réponses de protection fournies par les détenteurs d'obligations et de déterminer leur niveau d'efficacité. Les premières constatations à cet effet de l'enquête nous apportent des informations importantes. Elles mettent en lumière le défi auquel sont confrontées les filles et les femmes de la grandance, notamment en ce qui concerne les violences familiales. Nous avons pu comprendre que les violences basées sur les genres sont en soi un effet dont les causes sont enracinées dans la structure économique et sociale des populations. Cette recherche a clairement démontré que la violence basée sur le genre sont présentes dans toutes les strates sociales, mais elles sont plus prononcées avec la pauvreté, le manque d'éducation et d'information. L'initiative prise par l'Office de protection du citoyen et de la citoyenne comme institution indépendante chargée d'assurer la protection de tout individu victime des abus de l'administration publique et de veiller, entre autres, au respect des droits humains par l'État est louable parce que les informations et les données recueillies au cours de cette enquête vont permettre au ministère que je dirige de comprendre les différentes facettes du phénomène de la violence que les femmes et les filles sont victimes de très souvent dans ce département où plusieurs scandales n'ont pas cessé d'effrayer la chronique. Je salue grandement une telle démarche qui consiste à compiler un ensemble d'informations crédibles et soutenables pour pouvoir prendre des décisions face à ce fléau qui constitue l'une des causes de mort de la gente féminine. Mesdames, Messieurs, les chiffres sur le phénomène de la violence de genre parlent d'eux-mêmes. Ainsi, dans le monde aujourd'hui, plus d'une femme sur trois a subi des violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie. Plusieurs centaines de milliers de femmes sont violées chaque année par des individus connus ou inconnus à travers le globe terrestre. En Haïti, les données collectées selon l'enquête sur la mortalité, morbidité et l'utilisation des services EMU6 mettent déjà à nu la réalité nationale. En effet, pour ce qui concerne la violence sexuelle, une femme sur 8, soit 12%, a déclaré avoir subi des violences sexuelles à un moment quelconque de sa vie. Il ne faut pas sous-estimer d'autres formes de la manifestation de ce phénomène comme la violence physique, où 29% des femmes âgées de 15 à 49 ans sont victimes de ces actes par leur mari et leur partenaire. Avant même de rendre public les résultats du rapport d'enquête sur la manifestation de la violence faite aux femmes et aux filles dans le département de la Grandance, je veux tout d'abord profiter de la présence de chacun, chacune d'entre vous pour porter un autre message. Je veux, en cette occasion si spéciale, insister sur deux faits qui doivent nous préoccuper.
La première chose que nous devons avoir à l'esprit est que les violences faites aux femmes et aux filles sont un obstacle au développement et qu'elles appauvrissent à plusieurs titres nos sociétés. Voilà, mesdames et messieurs, OPC, sous une enquête qui t'est menée sous femme cap subi viol, surtout dans le département Grand Danse. Mesdames et messieurs, puis devant, nous gagnons dirigeant force alternative H-Loise là, Wilner, qui longe douette sous syndicat chauffeur dans AKEO. Qui monte pris coup sur bien haut à cause droit payable yo gen pour payer sous route canarin responsable politique là tout longe doit li sous l'état qui fin gangsteriser pays ya et puis tout li quoi insécurité qui gen dans pays ya gen met li